femmes d'abord. Ah oui, merci. Thelma, merci vraiment pour tout. J'ai vraiment aimé notre dîner. Merci beaucoup. T'es sûre de savoir aller jusqu'à la chambre? Je ferais mieux de t'accompagner, au cas où tu pourrais te perdre. Chut, ne fais pas de bruit. Tu es vraiment sûre de vouloir faire ça? Eh bien, si tu préfères que je m'en aille, dis-le-moi. J'ai pas envie de te faire souffrir, Thelma. Tu mérites quelqu'un qui te traite bien. Quelqu'un qui te regarde droit dans les yeux. Quelqu'un qui t'aime vraiment. Ela é linda, ela é special. Ela passa pelas outras de battle. Quando ela passa, ela sabe o que faz. Fica impossível não olhar para trás. Ela parte no pescoço. Ela parte no pescoço. Ela sabe que é capaz. Ela parte no pescoço. Ela parte no pescoço. Impossível não olhar para trás. Ela parte no. Não olhar. Ai não dá. Ai não dá. Yeah. Não tentar. Ai não dá. Ai não dá. Je peux, chérie. Je suis juste venue te souhaiter une bonne nuit. J'étais sur le point de me coucher, mais j'ai vu la lumière allumée. À demain, maman. À demain. La journée a été longue, hein. Bon, mais l'important, c'est que Jessica et ton bébé aillent bien. C'est tout ce qui compte. Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit pour l'autre bébé? On a tous le droit d'avoir nos secrets, maman. Tu sais qu'avoir un enfant, c'est comme ça. On a toujours le cœur serré. Et parfois, on doit faire des choix difficiles. Mais je suis certaine que tu vas être un super papa. Tu as toujours été très prudent. Tu t'inquiètes pour tout le monde. Parfois, tu t'oublies toi-même. La vie m'a fait devenir comme ça. La vie est très capricieuse. Mais tu es un garçon bien. Et très gentil. Tu l'as toujours été et tu le seras toujours. On se ressemble beaucoup, toi et moi. On explose de rage quand on se sent trahi. Mais quand on aime, on va jusqu'au bout du monde pour aider ceux qui ont besoin de nous. Je suis certaine que ton enfant va tenir de toi. Ça sera le plus beau cadeau que la vie te donnerait, mon amour. Bonne nuit. Maman. À demain. À demain.
Ricardo? Que t'étais en train de faire? T'as perdu la tête? Je fais ce qui doit être fait. Ce qu'il faut faire, c'est tout. J'ai entendu du bruit dans le couloir et je n'arrivais pas à y croire quand je t'ai vu quitter la chambre de Ricardo. Dis-moi ce que tu lui as fait. Je n'ai rien fait. Thelma était avec lui. Oui, et je l'ai vu regarder dans le couloir. Elle a failli me voir aussi. Je sais pas ce que je vais faire de toi, Caillou. Tu vas tout gâcher, tu le sais. On doit se débarrasser de ce type. Que ça soit clair, c'est lui ou nous. Arrête ça. Arrête! Arrête quoi? Hein? Arrête d'être impulsif! On a un plan ou pas? C'est pas vrai. Tu dois juste t'y tenir. Je sais élaborer un plan. Ah bon? Tu sais le faire? Et tout seul? Bébé, tu es peut-être très intelligente, mais tu n'es pas prête à tout. Et parfois, il faut abattre ou se faire abattre. Oui. Et parfois, on atterrit en prison et on y pourrit pour le reste de notre vie. Mais ça n'arrivera pas parce que je ne te laisserai pas faire. Sylvia, tu sais très bien que je fais tout ça pour non, nous protéger. C'est faux. Pour nous tu protéger. Le fais pour toi. À cause de tes. Tu dois te contrôler, Caillou. Je dois me contrôler. J'en ai marre de ce village de bouseux. On doit partir d'ici rapidement. On doit quitter ce taudis au plus vite. On doit partir d'ici, mais on doit aussi servir de notre cervelle. On doit sortir d'ici avec suffisamment d'argent pour vivre le reste de notre vie. Et pour que ça soit possible, c'est toi qui dois faire ce qu'on a décidé ensemble, c'est tout. Est-ce que t'as compris? C'est clair? Myriam, vous êtes perdue? Je suis allée porter un somnifère à Georges. Il souffre d'insomnie, le pauvre. Bonne nuit. Bonne nuit. Le pauvre. Tu es réveillée, chérie. Bonjour, Bruno. Tu sais où est Thelma? Elle n'a pas dormi à la maison. Thelma est une grande fille, maman. Laisse-la vivre ses aventures. Le problème, c'est qu'elle a dîné avec ce journaliste. Je sais. Ils ont inauguré le Bohémio. Je dois l'appeler d'ailleurs pour savoir si ça lui a plu. Mais ils n'ont pas passé la nuit au restaurant, ça c'est sûr. Où est-ce qu'ils sont à cette heure-ci? Tu as eu son âge, toi aussi. Oui, mais je n'ai jamais... Je suis tombée enceinte à l'âge de 16 ans. Excuse-moi, je ne voulais pas... Désolé. Non, tu as raison. Tu as raison. J'ai commis des erreurs. Et c'est pour ça que je ne veux pas que vous commettiez les mêmes. Il y a des erreurs qui nous hantent toute notre vie. Oui, je comprends. Mais dans ce cas précis, Thelma sait ce qu'elle fait. Tu sais ce que c'est, chérie. Toi et Jessica, vous êtes en couple. Vous allez vous marier et avoir un enfant.
J'aimerais vraiment que Thelma ait la même chance que vous. Et je ne fais pas confiance à ce journaliste. Oh, maman. Bon, je vais l'appeler pour voir ce qui se passe et pour voir si tout va bien. Allô? Maman, du calme. Oui, je vais rentrer à la maison, d'accord? Tout va bien, t'inquiète pas, d'accord? Je rentre tout de suite. Bisous, maman. Bisous. Oh. Ma mère m'a appelée. Je vais avoir droit à un interrogatoire complet de Maria Doceo Garcia. Pourquoi est-ce que tu ne lui as pas dit la vérité? Tu as l'âge de faire ce que tu veux, pas vrai? Oui, mais tu sais bien qu'elle ne t'aime pas trop. Et avec l'histoire de l'enlèvement et avec ton histoire avec Georges, tu sais que ma mère adore Georges. Oui, mais elle pourrait bientôt changer d'avis. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Il faut que j'aie une conversation sérieuse avec elle. Quoi, aujourd'hui? Tu veux venir à la maison avec moi? Non, aujourd'hui, je peux pas. J'ai d'autres choses importantes à faire. Et je vais peut-être repartir aujourd'hui même à Lisbonne. Mais je vais revenir. J'espère bien que tu reviendras. C'était si bien. Et maintenant? Nous deux, on devient quoi? Écoute, Thelma. Tu sais que j'aime être avec toi et tu le sens toi aussi, de plus en plus. Mais je ne me sens pas très à l'aise de faire ça à ma petite amie, tu comprends? Oui, mais c'est un problème que tu vas devoir résoudre. Toi seul sais ce que tu dois faire de ta vie. Et tu ferais mieux de te décider. Excuse-moi. Et si tu ne reviens pas avant, j'aimerais que tu viennes au mariage de mon frère. J'aimerais vraiment qu'on y aille ensemble. J'espère que tu t'es réveillé en étant un peu plus calme. Je suis plus calme. Mais je ne me sens pas plus en sécurité. Tu sais qu'hier, je me suis fait surprendre en train de quitter ta chambre? Par qui? Par Tino. Le garçon de la manutention. J'ai dû lui dire que je suis venue te donner un cachet parce que tu souffrais d'insomnie. Et est-ce qu'il a entendu quelque chose? Parce que, pour être franc avec toi, tu étais un peu énervé. Si tu n'avais pas fait n'importe quoi, je ne serais pas allée dans ta chambre à cette heure-là. Qu'est-ce qu'on fait de lui maintenant? Tu ne vas rien faire à personne, Caio. Tu vas rester tranquille, garder ton calme et suivre le plan à la lettre. C'est tout ce que tu vas faire. D'accord, si tu veux, mais on doit savoir ce qu'il a non, entendu. Non, ce n'est pas la peine. Ce qu'on doit faire, c'est se concentrer sur Vasquez et accélérer les choses parce que c'est notre meilleure alternative. Très bien. D'accord. Bébé, ne te fâche pas contre moi, s'il te plaît. Excuse-moi. Mais c'est plus fort que moi. Tu le sais très bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quoi qu'il arrive, on ne peut pas se retrouver l'un contre l'autre. Ce serait terrible, ok? Ça nous ferait beaucoup de tort. D'accord? Alors unis. Qu'est-ce que tu fais? Je dois aller travailler. Monsieur Toledo,
Après le petit déjeuner, j'ai besoin d'aller organiser l'enterrement de vie de jeune fille de Jessica. J'ai besoin d'une demi-heure. Ça ne vous dérange pas? Bien sûr qu'il n'y a pas de problème. C'est pas tous les jours que notre fille se marie. Ça, c'est vrai. Tu peux y aller. Je m'occupe de tout, alors vas-y. Je peux y aller? Oui, bien sûr. Allez, vas-y. Oh, regardez qui voilà, notre journaliste. Hé, bonjour. Hier, je ne vous ai pas vu rentrer. Oui, c'est vrai, je suis revenu un petit peu tard. Très tard, en fait. Mm-hmm. Et je vais peut-être retourner aujourd'hui même à Lisbonne. Ah, mais c'est incroyable de faire tous ces allers-retours. C'est une drôle de vie. C'est très épuisant. Mm-hmm. Vous devriez rester ici plus longtemps, disons suffisamment longtemps. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Au fait, vous n'auriez pas du nouveau pour moi concernant ce dont on a déjà parlé? Non. En fait, je n'ai rien vu de spécial, mais j'ai été très attentif. Vous n'avez rien vu, rien de suspect? Non. Il y a juste eu une dame qui est venue rendre visite à Georges Montalvao. Rendre visite à Georges Montalvao? Une dame, disons, d'âge mûr, très gentille d'ailleurs. Elle est venue de Lisbonne. Et elle a dit qu'elle l'avait vu grandir, entre autres. Mais je ne crois pas que... Quoi? Non. Je vous l'ai déjà dit, toutes les informations sont précieuses. Alors, ce que je vous demande, c'est de rester aux aguets. C'est pour le bien de la famille Garcia, d'accord? Ah, bien sûr. Bon, monsieur Toledo, merci. Je vais m'occuper du petit déjeuner. Ok, à plus tard. D'accord. Mais Patricia, l'enterrement de vie de jeune fille va quand même avoir lieu, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, monsieur Toledo. Je vous avais bien dit qu'il allait avoir lieu, pas vrai? Oui, c'est vrai, mais j'ai pensé, je sais pas, que vu que Jessica n'était pas dans les meilleures conditions, à la fois physiquement et psychiquement... Oh, ne vous inquiétez pas pour son bien-être psychique, parce que tout va bien. La fête va avoir lieu, elle ne va pas faire d'effort. Tout est prévu. Mais là, je suis pressée et j'aurai besoin que vous me fassiez des suggestions pour décorer toute la salle. J'ai besoin d'aide. Comment ça, toute la salle? Vous voulez louer toute la salle? Je comptais pas louer toute la salle, moi. Voyons, monsieur Toledo. Vous pensiez que vous alliez juste louer la moitié? On se retrouverait serré dans une partie de la salle, c'est impossible, franchement. Patricia, je veux dire, cet espace est tellement suffisant que la moitié suffira largement, hein? Bon, je ne comprends pas quel est le problème, mais si ça cause des habitants de... d'Alvorigna, ce n'est pas grave. Si c'est la salle de la collectivité, elle appartient à tout le monde. Qu'ils aillent se divertir ailleurs. Excusez-moi, monsieur Toledo, mais oui. Vous devrez leur dire d'aller ailleurs, et c'est tout. Bonjour. Oui, mais... Bonjour. Excusez-moi de vous interrompre. Salut, Patricia. Salut, Xavier. Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus de la fête de ce soir? Vous avez le temps? Quelle fête? L'enterrement de vie de garçon de Brenner. Bon, Xavier, excuse-moi, mais il vaut peut-être mieux qu'on en reparle plus tard, parce que là, j'ai un problème à régler avec... Patricia, on en reparlera plus tard. Non, il n'y a pas de problème, monsieur Toledo. Vous pouvez parler à Xavier. Dis-moi, Xavier, où va avoir lieu votre fête? Elle va avoir lieu ici, dans la salle. Bon, moi, je dois y aller parce que j'ai quelque chose à faire. Je n'arrive pas à y croire, monsieur Toledo. Disons que la fête de Jessica va aussi avoir lieu ici. C'est vrai? Je n'arrive pas à y croire, monsieur Toledo. Il y aura deux fêtes la même nuit. Mais dit comme ça, on dirait que j'ai loué la salle des fêtes pour deux événements. Et vous ne l'avez pas loué, monsieur Toledo. C'est une honte. Jessica est votre nièce, une Toledo. Et je vous avais parlé en premier. Mais oui, bon, est-ce que... je peux parler? Oui, allez-y, expliquez-vous, allez-y, on vous écoute. Eh bien, je vais vous expliquer. Je vais le faire. Vous devez comprendre qu'il y a deux Horatio. Il y a le citoyen Horatio, chef de famille et capricorne, et aussi Horatio, le président de cette association. Et vous avez parlé au deuxième Horatio, celui qui veille sur les intérêts présents et futurs de cette collectivité et assure ainsi sa pérennité. Voilà, c'est tout. Voilà, vous savez tout. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous expliquer. Franchement, monsieur Toledo, sérieusement, je ne sais pas si je dois rire ou pleurer ou si je vais vous... Ce que je me demande, c'est comment est-ce qu'on va résoudre ce problème? Du calme. Écoutez. Regardez autour de vous. Cet espace est énormissime. Il est on ne peut plus suffisant. Si on s'organise, les deux fêtes pourront tenir parfaitement. Il n'y a aucun problème. Cette salle des fêtes a toujours été là pour vous servir et elle vous servira cette fois encore. Parole d'Horatio, votre président à tous. Vivre. Bonjour, Myriam. Vous voulez un jus de fruits? Je viens de faire la recette que vous m'avez donnée. Je vais voir si ça va aider les dames à perdre du ventre avant le mariage. C'est miraculeux, vous verrez. Mm-hmm. Mais moi, je m'en passerai, merci.
Maria de Seu est-elle descendue? Je suis pas sûre. J'ai entendu du bruit, mais je ne l'ai pas encore vue aujourd'hui. Mais moi, je m'en passerai, merci. Eh bien, moi, je ne m'en passerai pas. Non, mais alors? Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais boire 3 bons petits verres et on verra. Voilà. Edin. Allô? Allô? Monsieur Assuntsaou, faites vite parce que je suis sur mon lieu de travail. Je suis venu exprès ici pour suivre votre piste, celle du passeport. Ne m'en parlez pas, j'ai presque failli perdre 3 ans de ma vie à cause de cette histoire. Aujourd'hui, vous allez en perdre 3 de plus parce que j'ai besoin d'emmener ce passeport. Comment? Est-ce que vous l'avez avec vous? Non, Graciette, c'est vous qui allez devoir l'obtenir, c'est pour ça que je vous appelle. Oh. Sainte Vierge, je vais avoir besoin que vous me donniez de la chance. Alors, vous avez trouvé la patronne blindée? Elle est au salon. Vous devez aller tout ranger, Graciette. Nous allons avoir une réunion avec le détective dans un petit moment. Je vais chercher des affaires dans la voiture. Vous êtes sûr de ça? Vous avez bien regardé? Très bien, Graciette. Merci de votre aide. J'apprécie vraiment. Merci. À bientôt. Purée.